dirige à présent au Mali, vers le Mali, où les habitants de Tombouctou ont célébré hier soir l'inauguration des mausolées qui ont été détruits par ces obscurantistes et qui ont été réhabilités par l'UNESCO. Tout à fait, Khadija. C'est avec une grande joie que les Maliens ont donc accueilli cette nouvelle et vécu cette journée. Et puisque la ville historique et magique de Tombouctou, une ville qui a inspiré plusieurs réalisateurs, a désormais retrouvé son visage d'avant après avoir été complètement ravagée, détruite, défigurée par des groupes extrémistes liés à Al-Qaïda. C'était en 2012, des extrémistes qui occupaient le nord du Mali avant d'en être chassés par l'opération internationale lancée par Paris. Et juste pour rappel, au total, 14 mausolées réhabilitées. Donc, mais l'UNESCO met toutefois en garde contre les menaces qui demeure dans la région. Effectivement, Khadija, ces mausolées ne sont pas tout à fait à l'abri de nouveaux dangers car le Mali fait toujours face à une crise sécuritaire sans précédent. Mais en tout cas, l'heure est à l'émotion. Je retiens cette belle déclaration de la directrice générale de l'UNESCO. Ces bâtiments sont et seront debout et c'est la preuve irréfutable que l'unité est possible et que la paix est plus forte. Fin de citation.